Voilà, bonjour Romain. Bonjour. Alors j'ai le plaisir en fait de te retrouver pour la seconde fois, puisque nous avions fait effectivement un précédent échange sur ton second livre en fait, qui était intitulé L'homme créa Dieu à son image. C'est un livre paru en 2019 où tu égratignais en fait le dogmatisme religieux, je dirais sans langue de bois. Ici en fait ton essai de 2022, c'est aussi un essai, je dirais sans langue de bois, qui est intitulé Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Je vais lire le quatrième de couverture, si tu veux bien, pour qu'on se fasse d'emblée une idée du contenu, avec un avertissement, et tu me diras si c'est un avertissement sous forme de provocation ou bien s'il faut le prendre au pied de la lettre, mais il est indiqué que ce texte contient des mots et des idées qui pourraient offenser. Un peu comme sur un paquet de cigarettes, on met une petite mention en disant attention, ça nuit à la santé. Donc vous êtes prévenus. Si vous ouvrez le livre ou si effectivement vous fumez le paquet de cigarettes. Quatrième de couverture, la criminalisation de l'avortement revient en force, tout comme le hijab, ce symbole de soumission des femmes. Des théories conspirationnistes délirantes circulent sur les réseaux sociaux, des journalistes perdent leur emploi pour avoir prononcé le mot en haine, des hommes peuvent désormais participer aux épreuves olympiques féminines sur la seule base de leurs ressentis, des magazines font la promotion de l'obésité. Et pendant ce temps, la planète brûle. Alors, en fait, Romain, ma première question, ce serait de savoir finalement pourquoi ce besoin d'écrire sur ce type de thématique, puisque en fait, cet ouvrage-ci est beaucoup plus développé, évidemment, que les deux précédents ouvrages, mais revient sur des thématiques quand même que l'on retrouve également dans ton premier et deuxième livre. Premier livre qui était en fait intitulé en 2004 « Vivre mince, gourmand et en santé ». Et puis je l'ai dit effectivement, le livre de 2019 était en fait sur le dogmatisme religieux. Ici, ce sont des thématiques que tu reprends, mais de manière beaucoup plus large. En fait, tu listes l'inventaire des idéologies du 21e siècle. Peux-tu en fait un peu nous expliquer le pourquoi de cet intérêt d'abord pour toi et le pourquoi effectivement de ces thématiques réunies sous un seul volume. Ben d'abord, les trois livres sont très différents. Hein. Le premier livre n'est pas un essai, c'est un guide alimentaire vu de l'angle d'un ingénieur. Tu sais que bon, la nutrition est quand même une science médicale, là, le génie pas tellement loin. Alors que le deuxième livre, c'était un essai et c'est un essai qui est moins, qui se démode moins dans le temps. Tu sais, il y a des concepts qui sont abordés dans ce livre-là qui vont être tout aussi pertinents dans 10 ans. Alors que le dernier livre, je dirais que c'est plus un livre d'actualité politique. C'est un livre qui va mal vieillir, selon moi, qui sera plus pertinent probablement dans 10 ans. Donc, c'est un livre qui est plus pertinent puis qui leur soulève plus d'émotions à court terme. Mais alors, c'est un livre qui concerne les tendances actuelles politiques. T'sais. Et bon, il y a 6 sujets qui sont abordés. C'est 6 sujets qui, a priori, n'ont pas rapport les uns avec les autres. Et au fond, ma valeur ajoutée ici, c'est de faire une connexion. Alors, je ne me prétends pas un expert dans, ben, peut-être, oui, il y a 2 des 6 chapitres pour lesquels j'ai écrit un livre complet, là. Mais pour le reste, les 4 autres chapitres, là, je me prétends pas un expert de la question. Mais comme je l'ai dit, à valeur ajoutée, c'est de faire une connexion qui est a priori pas évidente entre les systèmes. Tu sais. C'est ça, on va effectivement lister l'ensemble des chapitres et voir effectivement comment finalement il y a ce fil conducteur qui les réunit. Mais aussi, mon intérêt de faire cet échange, c'est aussi de savoir quelque part, Romain, à titre personnel, en fait, quel est l'intérêt pour toi justement d'écrire autour de ces thématiques En fait, c'est une bonne question. C'est une question plus générale. Qu'est-ce qui nous pousse un jour à écrire un livre? Moi-même, je serais embêté de te répondre à cette question-là, mais a priori, je veux quand même l'essayer. Je pense que je vis une espèce de désabusement par rapport à ce que j'observe dans les médias et les médias sociaux. Et puis, probablement que ça a été ça ma motivation. C'est qu'à un moment donné, j'ai le goût de. Et en même temps, j'observe. Ça, puis j'observe un autre phénomène aussi, c'est l'espèce de censure insidieuse là, qui s'installe dans notre société. C'est comme si j'ai réalisé, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis le seul à trouver que tout ce qui se passe, tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est des inepties de ce temps-ci? Puis en discutant avec des proches, je réalise que non.
mais on a l'impression d'être seul parce que la majorité silencieuse est plus silencieuse que jamais. C'est qu'il y a vraiment des minorités idéologiques qui ont pris le contrôle, qui ont noyauté l'actualité médiatique. Puis tout le monde, les gens qui appartiennent à la majorité silencieuse ont comme l'impression d'être eux des minorités, quand en réalité, ils sont la majorité. Puis mon livre, c'était un petit peu ça aussi. C'était une façon d'envoyer le message. Non, parlez, réveillez-vous. Laissez-vous pas imposer des inepties pareilles comme ça sans réagir, parce que qui ne dit mot consent? Alors, puis j'ai réalisé en même temps que tous ne sont pas dans une position pour parler. Moi, j'ai un privilège. Ma situation professionnelle fait en sorte que j'ai pas la langue dans ma poche, je peux me le permettre. Mais quand on travaille pour le gouvernement, quand on travaille pour une grande entreprise, il faut faire très attention aujourd'hui à ce qu'on dit. Vous pouvez perdre votre emploi pour un rien. D'ailleurs, je signale dans mon livre, au chapitre 4, plein de cas précis. Je nomme des gens, là, des journalistes et des professeurs d'université sont venus à deux cheveux de perdre leur emploi ou qui l'ont perdu. Uniquement pour avoir prononcé le mot en N, que moi, j'ai aucune misère à prononcer, qui est nègre. Et puis, qu'on vienne pas d'entrée de jeu, j'entends déjà là, des auditeurs dire, ah, un autre raciste. Non, moi, dans la vie, je suis associé avec un Haïtien en passant. Je ne fais pas trop raciste, n'est-ce pas? Fait C'est que, vrai que ça devient difficile de penser, je dirais, en dehors de la pensée unique, justement, et du coup, d'avoir une information qui soit critique, qui soit juste et qu'on ne soit pas effectivement en permanence désinformé par les masses médias. Mais donc aussi, au fond, du coup, parce que c'est vrai que pour le coup, ce livre aborde des questions qui peuvent fâcher, qui sont parfois extrêmement sensibles. Et donc, du coup, avant d'aborder les différents chapitres, Romain, comment ce livre, même s'il est sorti assez récemment déjà, mais comment est-ce qu'il est ressenti pour le coup, comment est-ce qu'il est reçu par les lecteurs, et tu me parlais également en off d'une conférence, comment c'est ressenti? bon, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est qu'a priori, je sens que sa publicité est plus boudée par les médias. Okay? Quand j'avais sorti mon deuxième livre, il y a plusieurs médias, dont Radio-Canada International, qui a fait la couverture de mon livre, etc. Là, clairement, je suis censuré au niveau des médias. Par contre, le côté positif, c'est qu'un deuxième livre, bon, les gens me lisaient, puis ils me disaient, ils me remerciaient, ils me félicitaient, oh, c'est un bon livre, etc. Tandis que là, la nature du feedback que j'ai en ce moment là, est très, très valorisante. Les gens me disent, Robin, wow, tu nous as fait tellement de bien, c'est tellement rafraîchissant de lire ça, là, on se sent tellement mieux, on a moins l'impression d'être l'idiot seul, là. Fait que, donc ça, à quelque part, c'est le salaire de l'auteur, ça. Hein? Rien qui bat ça, là, tu Oui, la mais gratification ultime de l'auteur, c'est bien de sûr. quand je lis les commentaires des gens, là, gratuitement, les gens qui m'écrivent sur Facebook, là, et qui écrivent après sur leur propre page, ou des fois, ben, sur ma page d'auteur, bon, ben, j'ai des petites querelles, c'est la monnaie courante aujourd'hui, ces réseaux sociaux, là, et là, j'ai ces lecteurs-là, anonymes, que je connaissais même pas, qui arrivent à ma rescousse, puis qui disent, non, lis le livre avant de parler, etc. Et ça me fait plaisir, ça me baume le Ouais. cœur. Mais ce qui est intéressant dans ton livre, Romain, c'est qu'on a évidemment dans un seul livre l'ensemble, j'ai envie de dire, de l'inventaire justement des idéologies du XXIe siècle. C'est intéressant parce qu'il ne faut pas évidemment du coup aller ponctionner dans un article puis dans un autre pour essayer de se faire une idée d'ensemble et essayer de voir un fil conducteur. Ici, sous la main, on a un livre effectivement qui nous permet d'avoir une idée claire. Et avec aussi un peu de recul par rapport à l'ensemble de ces thématiques qu'on va aborder. Je montrais tout à l'heure l'image en fait qui peut interpeller le lecteur, mais qui en fait résume bien l'ensemble des thématiques. Et cette image, en fait, je trouve ça assez intéressant justement, c'est qu'on en a un descriptif par rapport effectivement à ce qu'il est censé représenter cette couverture. Donc elle représente en fait une caricature de l'Occident d'aujourd'hui, soit à gauche un woke non-binaire, anti-loi 21, donc la loi québécoise sur la laïcité, et à droite un supporter de Trump, anti-vax, pro-armes et pro-vie, soit deux individus qui se traitent mutuellement d'abrutis. Quant à moi, je trouve que ce qualificatif sied tout aussi bien à l'un qu'à l'autre. En sommes-nous vraiment rendus là?
C'est peut-être effectivement, alors du coup, ce qu'on va voir sans plus attendre. Le chapitre premier revient, on le disait tout à l'heure, il revient brièvement sur ton second livre autour de l'intégrisme religieux. Alors, quand tu parles du retour des intégristes religieux, à qui penses-tu en particulier? Avant même de te répondre, j'aimerais juste mentionner une chose. Les trois premiers chapitres attaquent l'extrême droite et les trois Oui. derniers chapitres attaquent l'extrême gauche. Oui. Et moi, je me définis comme un extrémiste du centre. Alors, pour répondre à ta question maintenant, ben, écoute, y a le retour de l'intégrisme religieux se décline de deux manières. D'abord, l'islamisme. On le voit. Il suffit de regarder des photos, hein, ça c'est une image au mille mots, des photos, et j'en ai publié plusieurs sur ma page d'auteur, de femmes qui déambulent en ville librement dans les années 70 à Kaboul ou à Téhéran versus les mêmes photos aujourd'hui. C'est flagrant la différence, là. Les droits des femmes ont reculé. Les religions ont toujours été misogynes, en particulier les religions du livre. Puis première manifestation, du moins visuelle, du retour de l'intégrisme religieux, c'est évidemment le port du hijab, le port de la burqa, etc. Cacher le corps de la femme, c'est une hérésie, ça. Ça, c'est une déclinaison. L'autre déclinaison, c'est que malheureusement, ça ne se limite pas à l'islamisme, c'est on voit une montée fulgurante de la droite chrétienne aux États-Unis. C'est très inquiétant. C'est quand même un pays qui a du pouvoir. C'est que le Yémen sombre dans l'intégrisme, ça n'aura pas grand impact sur l'économie mondiale, mais quand les États-Unis sombrent dans l'intégrisme religieux, ça, c'est plus inquiétant. Vous avez suivi ça, Trump a réussi à faire élire trois juges conservateurs. Puis, conservateur, c'est flatteur comme mot, là. J'aurais du coup de dire trois abrutis à la Cour suprême. Et là, ils sont rendus au nombre de 6 sur 9. Alors, c'est bien triste à dire, mais la plus haute instance juridique du pays est noyautée par le pouvoir religieux. Et ils n'ont pas perdu de temps. Comme tu sais, ils ont invalidé la jurisprudence Roe versus Wade, qui décriminalisait l'avortement dans les années 70. Ça va pas bien, là, Pascal. Là. On retourne, là, on remonte là, en termes d'évolution là, aux années 70. C'est un méchant recul, là. On revient 50 ans en arrière. Là. Et là, dès que ce jugement-là était rendu, il y a plein d'États qui ont sauté sur l'occasion, dont le Texas, les États de la Bible Belt, là, qu'on appelle, pour recriminaliser localement l'avortement. Dans le cas du Texas, c'est encore plus insidieux que ça. Il y a une rançon de 10 000 $. On se croirait à l'époque du Far West. Alors, si tu apprends que ta voisine va se faire avorter, tu la dénonces et tu fais 10 000 $. Si tu apprends que tu connais le chauffeur de taxi qui l'amène à la clinique, tu le dénonces, puis lui aussi est accusé au criminel, ainsi que l'infirmière qui reçoit la patiente, ainsi que le médecin. C'est épouvantable. C'est digne des pires années du bolchevisme, là, Oui, où c'est on la délation, dénonçait oui. tous ceux qui avaient des pensées non communistes, qui étaient la Ouais. seule façon de penser. On en est rendu là, là. C'est vraiment inquiétant. Puis, on a vu, il y a des manip... Puis, bon, il y a eu le Capitole aussi, là. Bon, je crois que c'est un sujet que je traite plus dans le chapitre 2, ça, là. Mais... Et puis, au Canada, malheureusement, il y a une branche... Il y a une branche de cette droite religieuse-là qui existe dans l'Ouest. Puis, d'ailleurs, le nouveau chef du parti conservateur appartient à cette branche-là. Puis c'est inquiétant, là. Inquiétant parce que c'est, au fond, une des idées principales du livre, on en a parlé tantôt, c'est la polarisation des idées. C'est que le centre politique se déserte. Tu sais, tous les gens se polarisent à gauche et à droite. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs choses qui choquent, OK? On en parlera tantôt avec le chapitre 5, par exemple, sur l'idéologie de genre, mais vous savez qu'au Canada, la fête de Noël, c'est bien important, le Père Noël, la fée des étoiles. Ben là, cette année, la fée des étoiles, c'était une drag queen. Et ça a choqué plusieurs personnes. Puis
Il y a des gens aux États-Unis là, qui autrement auraient été au centre, mais quand ils voient ça, ils se disent, il n'est pas question que je vote pour un parti qui pourrait encourager ça, donc je vais voter dans le parti opposé. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en votant pour l'extrême droite, en même temps, ils votent pour la criminalisation de l'avortement. Mais ce n'était pas leur intention au début. Ils n'ont pas le choix, il n'y a plus de parti au centre. Fait que si vous êtes contre les dérapages de la gauche, vous êtes obligé de voter pour la droite. T'sais. C'est ça que je dénonce un peu. Puis évidemment, les médias sociaux font rien pour diminuer cette polarisation-là. Bien au contraire, les réseaux sociaux accentuent cette polarisation-là. On y reviendra tantôt peut-être Oui, mais un peu. pour donner quand même une idée aussi de la manière dont ton livre est écrit, je voudrais quand même lire quelques lignes justement sous le sous-chapitre Le retour des ténèbres. Durant le siècle des Lumières, l'humanité a revu pour la première fois depuis longtemps le soleil percé à travers les nuages d'obscurantisme religieux. Le XXe siècle a consacré la victoire de la démocratie sur le fascisme, autant celui de droite que celui de gauche. L'Internet et ses réseaux sociaux laissaient finalement croire que le XXIe siècle éradiquerait la censure et la désinformation une fois pour toutes, coupant ainsi l'herbe sous le pied de tous les régimes totalitaires et répressifs de ce monde. Les progrès fulgurants de la technologie laissaient espérer que l'humain cesserait de se laisser abrutir par la religion. Et comme tu viens de le dire, effectivement, il n'en est rien. Mais je sais que le phénomène, évidemment, est très complexe, mais brièvement, peut-être si c'est possible, tu pourrais en fait finalement expliquer la raison de ce retour de l'intégrisme, alors que justement, les sciences n'ont jamais été aussi loin, et que quelque part, si on est correctement informé, et si on peut faire fonctionner sa raison, j'ai envie de dire, à plein tube, on a tous les éléments évidemment utiles pour ne pas justement se laisser abrutir par cet obscurantisme religieux. Ben, l'explication est dans le chapitre 2, en fait, parce que Oui. mon chapitre 2 s'appelle le conspirationnisme. Oui. Tout a commencé avec une conférence à laquelle j'assistais, une conférence de Thierry Ripoll, qui est un Français, psychologue français, spécialisé sur la question. Parce que bon, on a assisté pendant, juste un petit rappel, là, pendant la pandémie, on a assisté à une montée de conspirationnisme. Bon, il y a toujours eu des théories du complot. Il y a toujours des gens qui ont dit que la Terre était plate puis que Apollo 11 n'avait jamais atterri sur la Lune, sinon dans un studio d'Hollywood. Bon, mais ces gens-là étaient minoritaires. Okay? C'est une forme de psychose, mais qui était somme toute assez rare. Mais là, pendant la pandémie, la montée des anti-vax, ça va être quoi? Donner froid dans le dos, là. Puis, bon, nous, ici au Canada, on a eu la fameuse virer des camionneurs au centre-ville d'Ottawa, qui a fait bien jaser à travers le monde. Bon, mais qu'un camionneur comprenne pas toutes les subtilités de la virologie, c'est une chose. Mais quand j'ai des proches à moi qui sont des personnes intelligentes, notamment, et de par surcroît, qui ont une formation en sciences médicales, me sortent des théories délirantes anti-vax, comme quoi une conspiration entre les gouvernements et les compagnies pharmaceutiques. Puis en passant, là, j'adule pas les compagnies pharmaceutiques. Il suffit de lire mon premier livre pour s'en rendre compte où j'attaque les compagnies pharmaceutiques avec les médecins, les médecines, des médicaments, dis-je, contre le cholestérol, là, tu sais, les statines, tout ça, là. Fait que non, non, je suis pas vendu aux pharmaceutiques, là. Faut le dire, là, parce qu'il y en a des gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, qui vont dire, ah, ben, voilà, un autre vendu. Non, non, je suis pas vendu. Mais en même temps, il ne faut pas virer à l'autre extrême puis s'imaginer qu'il y a un complot international. Alors, je me suis posé la question, comment ça se fait que des gens intelligents puis éduqués puissent en venir à ça? Et c'est là que ça a fait des clics dans ma tête, puis j'ai compris au fond que l'explication était la même pour la religion. Est-ce qu'on peut se poser la même question pour la religion? Tu sais, qu'un bédouin isolé en plein milieu du Sahara sur son chameau croit à Allah. Il ne souffre pas nécessairement de psychose, le gars. Il est juste, tu sais, il croit basé sur l'information à laquelle il a accès. Mais au 21e siècle, en Occident, parce qu'il y a encore des coins reculés, je mentionnais le Yémen tantôt, là, tu sais, mais en Occident, croire à Dieu au sens théisme, cette nuance-là est bien importante, hein, Pascal, parce Oui. on peut croire qu'il y a une force immanente là, qui régit l'univers, puis tout ça. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Donc, c'est le dieu de Spinoza ou d'Einstein. C'est ça. Vous ne souffrez pas de psychose parce que vous croyez à Dieu dans ce sens-là. Mais croire en Dieu au sens théiste, là, croire qu'il y a un vieux barbu bourru en haut, assis sur son nuage, là, qui vous regarde,
qui gronde à la musulmane qui ne se voile pas, comme si Dieu n'avait pas mieux à faire de son agenda que se soucier du hijab porté par une musulmane sur une planète minuscule, dans un système solaire minuscule qui est dans une galaxie minuscule à travers l'univers. Ça, c'est du nombrilisme majeur. Enfin, croire ça, tant qu'à moi, c'est de la psychose. Puis je ne me gêne plus pour le dire. Croire en Dieu, c'est une psychose. La foi est une psychose, une maladie mentale. N'ayons pas peur des mots. Vous êtes croyant, vous êtes malade mental. Maintenant, c'est comme une verrue, ça. Toutes les verrues sur la peau ne virent pas cancéreuses. Hein? Tout croyant ne vire pas terroriste. Mais qui a besoin d'une verrue? Hein? À la base. Donc, pour répondre à ta question, l'explication, selon moi, du conspirationniste est la même explication pour la foi religieuse. Et j'avais fait un très beau graphique, je ne sais pas, à la limite, je pourrais peut-être le partager là, à l'écran, que j'ai présenté dans ma conférence jeudi. C'est que quand, pour fonctionner aujourd'hui, ça prend une certaine tolérance à l'ambiguïté. Okay? Puis dans notre tête, on a un équilibre entre deux types de pensées. On a une pensée, puis sur ce que je vous raconte là, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de Thierry Paul, puis de toutes les références de son livre que j'ai lu suite à la conférence. C'est qu'il y a une pensée intuitive, puis il y a une pensée analytique. La pensée intuitive nous vient, on la partage avec les animaux. La pensée analytique, elle est essentiellement humaine, c'est dans le néocortex. Et donc, les idées nous viennent de la pensée intuitive. Maintenant, la pensée analytique nous permet de filtrer les bonnes des mauvaises idées. Donc, l'intuition, la connexion entre deux événements, ça vient de la pensée intuitive. Puis après ça, écarter les bonnes des mauvaises hypothèses, c'est la pensée analytique. Or, quand l'humain vit de l'anxiété, ben, ça déséquilibre le ratio normal entre la pensée analytique et intuitive. Ça donne plus de poids à la pensée intuitive. Et ça mène à l'apophénie, qui est un phénomène psychologique par lequel on établit des connexions là où il n'y en a pas. Et quand, et on l'a vu avec la pandémie, il y a eu une augmentation du stress, de l'anxiété. Et cette augmentation de l'anxiété-là a entraîné cette montée de conspirationnisme-là. Mais de façon générale, si on veut expliquer la foi religieuse, l'explication est tout aussi simple. C'est-à-dire, c'est l'anxiété face à la mort. L'anxiété face au pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait ici, au juste, là? C'est quoi tout ça? Ah Et oui. c'est quoi cette farce-là, là? Oui. Alors, ça génère de l'anxiété. Tous n'ont pas la même habileté à composer avec une telle anxiété. Alors, certains ressentent le besoin de s'inventer des fables ou d'adhérer à des fables. Et la religion, ben c'est ça. C'est un club d'adhésion à une fable. La fable étant la foi principale de la religion en question. Que la fable soit le petit Jésus, soit là ou nommez-le, ça revient au même. On s'invente une explication parce qu'une explication inventée fait plus de bien que l'absence d'explication. Oui. Ceci dit, Romain, tu distingues de manière très, très, très ferme et très claire la religion de la spiritualité. Donc, Clairement. ce sont deux concepts totalement différents. On a besoin de spiritualité, mais on n'a pas besoin de religion. En fait, mon dicton, c'est le suivant, c'est la religion est à la spiritualité, ce que McDonald's est à la gastronomie. Parce que trop de gens croient à tort que pour être spirituel, il faut être religieux. C'est une erreur. La religion, c'est la spiritualité bon marché. C'est le fast-food de la spiritualité. Non, une spiritualité laïque. D'ailleurs, c'était un des thèmes d'une amie commune, Andrea Richard, qu'elle exprimait dans ses livres. La spiritualité laïque, selon moi, c'est la clé, parce que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans la société moderne occidentale, souvent, on a rejeté la religion, mais on a fait une erreur. On a rejeté la spiritualité qui vient avec. Et évidemment, vous devinez que les intérêts capitalistes ont profité de ce vide-là. Hein? Parce que le consumérisme, c'est un peu ça. C'est que finalement, votre angoisse, on la comble avec la consommation. Ce qu'on peut faire croire qu'en consommant, vous allez Ouais, vaincre votre ben angoisse intérieure, mais ça fait effet pas longtemps.
C'est ça. Ça met un petit baume sur le cœur, mais ça consommer ne règle pas vos problèmes existentialistes, là, tu sais. Donc on pourrait dire que tu es un spinoziste. Oui, ben définitivement, je pense que c'est assez Ouais. clair dans mon deuxième livre, ça, hein? Ouais. Et en fait, peut-être de manière plus personnelle du coup, parce que c'est vrai que forcément, tu parles de cette manière-là aujourd'hui, mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas. C'est le fruit d'un long cheminement, ton positionnement par rapport aux religions, par rapport à la spiritualité, par rapport au panthéisme, c'est... Ben, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, contrairement à bien d'autres auteurs qui ont écrit contre la religion par après, moi, j'ai pas, mes parents n'étaient pas pratiquants. Malgré le fait que j'ai étudié dans un séminaire à la Très Sainte Trinité, donc un cours classique, latin, etc., par des gens religieux. En fait, pour moi, il y avait un clash évident entre ce que je vivais à la maison et ce qu'on m'enseignait à l'école. Chez nous, ici au Québec, j'imagine c'est la même chose en Europe, c'est qu'on arrive à un âge où on fait la confirmation catholique. T'sais. On nous raconte, on nous dit, bon, ben, quand tu étais vacciné, pas vacciné, dis-je, baptisé, Baptisé. baptisé, ouais, excusez le lapsus, tu étais inconscient, là, maintenant, tu es rendu à l'âge de raison, donc maintenant, tu dois confirmer ta foi. Fait que toute notre petite école, on avait été à l'église, à Saint-Bruno, puis à tour de rôle, ils nous appelaient. Et la consigne, c'était si on voulait se confirmer, on se levait, on allait en avant, puis on faisait une confirmation avec le curé, puis sinon on se levait et on se rassoyait, ça voulait dire qu'on ne confirmait pas notre foi. Mais crois-le ou non, Pascal, là, sur une centaine, je ne sais plus combien qu'on était, pas facilement 150 élèves, je suis seul à ne pas avoir confirmé ma foi à ce moment-là. Ah Ça oui, remonte à loin. tu étais J'ai déjà un écrit mes rebelle. Oui, déjà. J'ai écrit mes premiers essais anti-religion au cégep. Puis après ça, bon, ben là, je suis rentré dans la vie, comme on dit, hein, les enfants, la carrière, etc. Ça laisse un petit peu moins de temps pour ces réflexions spirituelles-là. Puis c'est plus tard dans ma vie, en fait, il y a 2, 3 ans, où là, j'ai écrit mon deuxième livre, qui était le fruit de ma réflexion sur le sujet, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Et alors, tu viens d'évoquer, Romain, le conspirationnisme, effectivement, avec d'ailleurs en en-tête quelques mots. À chaque fois, il y a quelques mots, effectivement, d'un auteur ou un autre qui sont repris. Je trouve ça, c'est intéressant, parce que ça permet évidemment un petit peu de clicher ce que l'on va trouver au sein du chapitre. Et ici, pour le conspirationnisme, tu as choisi les mots d'Umberto Eco qui dit ceci. Les réseaux sociaux donnent le droit de parler à des légions d'imbéciles qui ne parlaient auparavant qu'au bar après un verre de vin, sans nuire à la communauté, alors qu'ils étaient immédiatement réduits au silence, alors qu'ils ont désormais le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Mais donc, quand on reprend effectivement les différentes thématiques conspirationnistes, je ne sais pas s'il y en a une éventuellement que tu souhaites encore aborder. On a le fait que personne n'a marché sur la Lune, effectivement. Le virus du sida qui aurait été conçu par l'armée américaine. La Terre qui serait plate, c'est évidemment ce créationnisme tiré tout droit de la Genèse. Il y a aussi évidemment ce dont on entend pas mal parler, la théorie du grand remplacement. Exactement. Ça, c'est inquiétant. L'attaque du Capitole, c'est une Oui. attaque qu'on dirait contre la démocratie, ça. Je lisais des statistiques récemment. Il y a 15% des républicains aux États-Unis qui croient que l'élection, la dernière élection américaine, leur a été volée, là. Puis, je ne sais pas, quand on lit sur QAnon, ça donne froid dans le dos. Ces gens-là s'imaginent que les démocrates sont des pédophiles qui non seulement agressent ces jeunes enfants, mais boivent leur sang pour aller chercher une substance, là, j'ai oublié son nom, là. Je peux vous la trouver, si vous voulez, une substance qui serait dans leur sang, qui leur permettrait, qui serait une cure de jouvence pour rester jeune. Mais c'est du délire total. C'est du niveau psychiatrique, ça. C'est camisole de force, puis rentrer ça dans une institution, là. Quand on est rendu à croire ça, là, ça va définitivement pas bien dans la tête, là. Mais écoutez, là, c'est une portion non négligeable de l'électorat américain qui pense comme ça, là. C'est inquiétant. Le pays qui a le plus de pouvoir sur la planète a des gens dans son électorat qui croient à ces débilités-là, là. Moi, ça me fait peur. Oui, en effet. Et si on veut poursuivre néanmoins, je dirais, les chapitres de ton livre, on en arrive du coup maintenant au climato-sceptique.
Là, pour toi, tu expliques ça comment? C'est un déni de la réalité pure et simple, c'est un biais cognitif qui fait qu'on n'a pas envie d'y voir clair parce que ça serait remettre en question ses propres comportements sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Comment tu expliques cette situation-là? De nouveau, en regard justement de la science et du fait qu'on est au XXIe siècle et que maintenant, on peut difficilement nier des évidences. Ben, comme j'ai dit d'entrée de jeu, moi, ma valeur ajoutée ici, c'est de faire un parallèle en différents termes qui, a priori, n'en ont pas. Puis, effectivement, il y a encore un parallèle à tirer ici, climato-scepticisme. Parce que finalement, le conspirationnisme, c'est du scepticisme. Quand on écoute les religieux parler du dessein intelligent, au fond, ils expriment un scepticisme à l'égard de la théorie de l'évolution. Les conspirationnistes, les antivax expriment un scepticisme face à la virologie, à la médecine. Puis là, ben, les gens, principalement de droite, comme je disais d'entrée de jeu, mes trois chapitres attaquent la droite. Surtout, je ne dis pas qu'il n'y a pas de climato-sceptique chez les gens de gauche, mais je dirais que principalement, on retrouve ça chez les gens de droite. Alors, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont en conflit d'intérêt. T'sais, s'ils vivent de l'industrie du pétrole, ben, ils ont tout intérêt à faire croire que le problème n'existe pas. Mais en général, je pense que les problèmes environnementaux sont source d'anxiété, sont anxiogènes eux aussi. Et une façon simple d'éviter cette anxiété-là, c'est le déni. Hein? On se fait à croire que ça n'existe pas. Donc, on n'a pas l'anxiété associée. Bon. Alors, je pense que c'est assez évident, là. Je veux dire. Puis, hélas, moi, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai fait mes calculs. J'arrive à la conclusion que 97% de la communauté scientifique, c'est pas 100%, j'en conviens, mais 97, c'est quand même un chiffre élevé. 97% de la communauté scientifique est unanime, OK? Il y a un consensus à l'effet que l'augmentation du CO2 dans l'air est responsable du réchauffement climatique. Malgré le fait que quand on regarde les sondages, et puis, je donne des sondages dans différents pays. En France, 60% des gens pensent seulement que la communauté scientifique, il y a un consensus sur le sujet. 60 versus 97, fait qu'il y a une fausse perception populaire comme quoi les scientifiques ne s'entendent pas sur le sujet, alors que c'est faux. Fait que déjà qu'on a une distorsion, fait qu'on est encore dans le mode psychose, parce qu'à la base, qu'est-ce qu'une psychose? C'est une distorsion de la réalité. Bon, il y a différents niveaux de psychose. Il y a des psychoses bénignes, des psychoses malignes. Mais c'est une distorsion de la réalité à la base. T'sais? Alors, croire 60 versus 97, ben, c'était le camp, là. Maintenant, cela dit, dans ce chapitre-là, j'attaque un peu la gauche aussi. Parce que je trouve que, puis là, c'est bon, c'est l'ingénieur en moi qui remonte, là. Je trouve que les solutions de la gauche sont misérabilistes. On écoute la gauche parler, puis les solutions, c'est on va toutes s'habiller en papier recyclé, puis on va habiter dans des tours à bureaux, empilés les uns sur les autres, puis on ne se déplacera plus, puis on va tous manger de la salade, on mangera plus de viande. Très, très misérabiliste comme solution. Moi, j'arrive avec critiquer, c'est une chose, mais il faut amener des solutions aussi. Puis je pense que je le fais dans mon livre. J'amène des Tu en solutions parles, oui. très concrètes, très, très Oui. concrètes. Et puis, essentiellement, mon message est le suivant. Le problème de l'environnement n'est pas technologique. Moi, j'ai aucun stress de ce côté-là. Toutes les solutions technologiques existent. Le problème, il est politique. Politique. Alors, il y a des solutions toutes simples, j'en donne plein. Mais quel politicien aura le courage de les implémenter? Ah, c'est autre chose, là. Tu sais? Mais je les donne. Concrètement, je les donne, les solutions technologiques, là. On peut arrêter demain matin le réchauffement de la planète. Tu parles également, en dernier lieu justement, mais c'est peut-être pas effectivement des moindres comme solution, c'est la problématique démographique. Ah ben oui, effectivement, il faut se dire les vraies choses. On vit sur une. Au Québec, on dit pelleté par en avant. Vous, vous dites plus la fuite par en avant. Ouais. C'est ça. Notre économie, on vit sur des économies artificielles. On vit sur des économies. On dit aux gens, bon, ben, vous achetez une maison, vous serrez la ceinture, vous achetez une maison dans ce quartier-ci, puis. On ne vous taxera pas, nous autres, sur la plus-value de la maison. Puis, vous allez revendre votre maison. Puis, vous allez bâtir votre équité personnelle parce que, bon, dans votre quartier, il y a eu l'expansion démographique.
Donc, de façon naturelle, votre maison, votre résidence va prendre la valeur, okay, sur le plan immobilier, et vous créez de la richesse comme ça. Tout notre modèle économique est basé là-dessus, sur l'expansion démographique. Mais c'est de la fuite en avant, ça. Parce que qu'est-ce qu'on a créé, au fond? La maison qu'on a bâtie quand on avait 20 ans, quand on en a 60, la maison, elle est 40 ans plus âgée. Elle n'a pas plus de valeur, elle a moins de valeur. Elle est usée. Mais pourtant, d'un point de vue économique, elle a plus de valeur. On peut revendre une maison trois fois le prix qu'on l'a payé à 20 ans. C'est artificiel. Alors, toutes nos économies sont basées sur la fuite en avant, alors que là, c'était correct autrefois, mais ce n'est plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, à 8 milliards, on a atteint le seuil de 8 milliards il y a 2 semaines. Et la planète, c'est ça que les gens réalisent pas. Elle a une dimension finie, la planète, là. On peut pas, c'est pas infini, le truc, là. C'est pas, on peut pas continuer à croire. Il faut changer de paradigme économique, là. Il faut générer de la richesse autrement que par la fuite en avant. Fait qu'évidemment, plafonner la population. Vous savez, ça prend 2,1 enfants par couple pour maintenir la population. Ben, si vous faites 2 enfants par couple, ou donc 1 enfant par individu, ben, c'est terminé, l'expansion. Puis aussi, ce que je dis dans mon livre, puis ça, c'est pas politiquement correct du tout, c'est pas les bonnes personnes qui se reproduisent. Hein. Parce que les personnes productives, saines d'esprit, sont trop occupées, malheureusement, pour se reproduire. J'entends par là la classe moyenne, la force économique du pays, qui se reproduit, hélas, dans nos économies occidentales. Les gens sont sur l'assistance sociale, des minorités intégristes religieuses, des familles de 10 islamiques, par exemple, en France, que le gouvernement subventionne pour se reproduire. Ces gens-là, ces parents n'ont même pas à travailler, là. C'est triste à dire, puis c'est pas, en partant, c'est pas les plus allumés, hein, ces gens-là. Puis en plus, ils se reproduisent, puis en plus, ces jeunes n'ont même pas accès à la même éducation que les autres citoyens, tu sais. Bon, heureusement, notre gouvernement au Québec vient de passer une loi comme dorénavant, les minorités religieuses qui gardent leurs enfants à la maison pour les élever doivent passer les mêmes examens du ministère. Fait qu'on leur dit, écoutez, si vous voulez élever vos enfants vous-même, d'accord. Mais à la fin, là, ils vont passer le même examen du ministère que ceux qui vont à l'école publique puis privée. Puis s'ils échouent, ben, c'est bien de valeur. On ne vous donnera pas le diplôme. Puis c'est C'est ça. après 2 échecs que vous les réincorporez dans le système d'éducation publique. Là, t'sais. Ça prend du courage. Je veux le saluer. Parce que, t'sais, on critique toujours nos gouvernements. Mais quand ils font des bons coups, il faut le dire aussi. T'sais. Ça Oui, mais prend c'est... du courage. On a une communauté, par exemple, nous autres à Montréal, une communauté hasidique qui font ça. Les autres, ces gens-là, sont restés dans le siècle dernier, là, t'sais, dans leur culture, leur mentalité, puis tout ça. Puis on n'aide pas les jeunes enfants. Les enfants, on ne va pas à l'école avec les autres Québécois. Fait qu'on les garde enfermés dans une illusion, là. Fait que, mais ces examens du ministère-là risquent de changer la donne. Mais c'est vrai que tu en parles effectivement en termes d'égalité de tous finalement devant la loi, que l'on soit croyant ou non croyant, ce qui donne évidemment aussi les mêmes chances à tous et de fait aussi la possibilité du coup de développer son esprit critique sans être finalement dans une communauté à part du reste de la population. On a listé en fait, Romain, les 3 premiers chapitres que tu avais effectivement dit que c'était plus des idéologies de droite. On va donc en venir maintenant avec les 3 autres chapitres plutôt du coup idéologie de gauche. Et je pense qu'effectivement on comprendra assez facilement pourquoi de gauche. Alors revenons-en au chapitre 4 que tu as intitulé Théorie critique de la race. Tu en parles comme étant d'un nouveau fascisme qui fait partie intégrante, dis-tu, de la théorie woke. Pourrais-tu nous dire en quoi il s'agit d'un nouveau fascisme et pourrais-tu du coup aussi définir le terme woke pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écouteront? Ben, woke, c'est la terminologie populaire pour désigner la théorie critique de la race. Okay? C'est juste l'expression populaire. La théorie critique de la race, c'est né principalement dans les universités aux États-Unis, ce concept-là. Pays qui, soit dit en passant, a été, et l'est encore, dans une moindre mesure, raciste. Ouais? Puis je pense que c'était très bien que le peuple se réveille, les universitaires, évidemment, toujours des leaders idéologiques se réveillent contre le racisme passé. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, malheureusement, puis c'est pas la première fois que des jeunes arrivent avec des idées qui se heurtent à la génération précédente, hein?
Je me rappellerai quand j'étais jeune, mon grand-père qui critiquait contre les hippies de l'époque des années 70 en disant, ben, quel avenir a cet homme avec les cheveux si longs, tu sais. Bon. Oui. C'est normal, tu sais. On écoute même, j'ai lu l'autre fois un texte, puis c'était écrit par un penseur grec. Il disait la même chose essentiellement. Que ça, c'est pas nouveau. Que même à l'époque des Grecs, Ben oui. la vieille génération critiquait la nouvelle. Ben Fait que ça, oui. c'est sain en soi. C'est correct, tu sais, que la nouvelle génération arrive avec des nouvelles idéologies qui entrent en conflit avec. C'est comme ça que les idées évoluent. Là où c'est moins correct, c'est que là, on dit toujours, hein, celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter. Ben, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Je pense que les woke auraient besoin des petites leçons d'histoire, notamment de bolchevisme. T'sais. C'est pas la première fois que des jeunes ont des idées différentes. Mais malheureusement aussi, c'est plus rare. C'est arrivé heureusement plus rarement dans l'histoire, mais c'est pas la première fois que ces jeunes-là s'imaginent détenir la vérité et veulent imposer leur vérité à tout prix. Donc, ça veut dire par la censure et même la violence. L'ostracisation, etc. C'est là que je dis que ça devient du fascisme à un moment donné. Bon, quelle est cette idéologie-là, là, à la base, là? Oui, tu en parles. Ouais. Tu parles des inventions des woke, notamment par rapport à deux concepts clés, ou trois même, le racisme dit systémique, la cancel culture et alors la discrimination positive, ou ce qu'on appelle le concept d'appropriation culturelle. Oui, à la base, ce qu'on dit, c'est que l'homme blanc, hétérosexuel, est responsable de tous les maux de la société. Il y a le fameux concept de colonialisme, là, que tout ce qui va mal dans notre société, là, ça cause de lui. Bon, et là, on se permet, on dénonce à juste titre les discriminations dont ont été victimes les femmes autrefois. Je me rappelle, la génération de mes parents, les femmes à l'époque de mes parents étaient discriminées. Ils n'avaient même pas le droit de notarier une maison. T'sais. Ils n'avaient pas le droit de voter. Des discriminations à l'égard des Noirs. Pas dans mon pays, par exemple. On n'a jamais été un pays raciste au Canada. Par contre, aux États-Unis, c'était flagrant. T'sais, il y avait des restaurants fermés aux Noirs. Il y avait des toilettes distinctes pour les Noirs. Alors, oui, je pense que c'était noble de s'élever contre ces injustices passées là. Mais là où je suis moins d'accord, c'est que la mentalité woke, c'est que pour réparer une injustice passée, on en crée une nouvelle au présent. Comme si créer une injustice au présent allait réparer une injustice passée. C'est là que je débat. Si une leçon qu'on devrait tirer du passé, c'est que la discrimination n'est jamais justifiée. Qu'elle soit positive ou négative, elle n'est jamais justifiée. Le mérite devrait être le seul critère. Vous annoncez un poste, puis il y a un blanc, il y a un Amérindien, il y a un Haïtien qui se présente au poste, ou un gay, ou un transsexuel, ou whatever. On s'en fout. On s'en fout. La seule chose qui nous compte, c'est êtes-vous compétent? C'est tout. Il ne devrait pas avoir d'autres critères. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. On assiste en ce moment à de la discrimination dite positive, mais ça demeure de la discrimination. Ça amène à des injustices. Et je cite d'ailleurs une chaire de recherche. Mais je suis intervenu personnellement. J'ai écrit un article dans les journaux au Québec parce qu'à un moment donné, l'École de technologie supérieure, qui est une école de génie ici à Montréal, a donné une bourse d'études, une chaire de recherche, Marcel Gauraud, de mémoire. Et il y avait 12, donc, bourses qui étaient octroyées et avec des critères. C'est normal. Ça a toujours été, les chercheurs, avant de leur donner de l'argent, ça prend un système pour déterminer qui a le plus de mérite. Évidemment, le nombre de publications est le premier critère objectif qui vient à l'esprit. C'est quelqu'un qui a publié deux articles versus quelqu'un qui en a publié 50, qui ne veut pas nécessairement dire que les 50 ont plus de qualité, mais quand même, tu sais, déjà, c'est un indice objectif de mesure.
Mais là, imaginez-vous donc, dans les critères de cette bourse-là, on a 40 % des points qui vont à l'EDI, hein, Équité, Diversité, Inclusion. Alors ça, c'est des dames du monde des sciences humaines qui viennent juger des candidatures de génie, des sciences appliquées, là. C'est clair que le fait d'avoir accueilli des cultures différentes dans les sciences humaines, ça a été positif parce que de par nos expériences culturelles, on pense différemment. Donc, tu sais, puis on est dans une société maintenant hétéroclite. Alors, c'est normal que les décisions sociales consultent ces différentes communautés-là. Mais quand c'est le temps de faire la conception d'un avion là, qui vole dans le ciel, là, excusez mon égoïsme, mais moi, quand je prends l'avion, là, moi, ma préoccupation, c'est que l'avion reste dans le ciel, tu sais, qu'elle ne s'écrase pas. Et je me fous pas mal de savoir si son concepteur il est gay, transsexuel, noir, vert, je m'en fous. Tu sais. Excusez mon égoïsme, là, mais deux et deux font quatre en sciences appliquées. Tu sais, en sciences humaines, toutes les opinions se valent. Vous pouvez être de gauche, vous pouvez être de droite. Vous avez, théoriquement, je dis bien, quand vous écrivez un essai, on vous juge sur la qualité de vos essais, pas sur votre opinion. L'essai peut aller à l'encontre de l'opinion du professeur qui vous juge. Théoriquement, ce n'est pas supposé d'affecter. On sait bien que ça le fait, mais théoriquement, ce n'est pas supposé. Mais en sciences appliquées, ça se passe pas de même. Il n'y a pas 50 réponses, il y en a une. Deux et deux, ça fait quatre. Ça ne fait pas cinq, ça ne fait pas trois. Mais tu écoutes les woke, puis deux et deux, ça fait trois, ça fait cinq. Tout devient relatif. Il n'y a plus d'objectivité scientifique. Le petit remède maintenant développé par le chaman amérindien est aussi efficace que les dernières recherches en oncologie pour régler le cancer. Etc. On peut s'alimenter comme on veut. On n'a pas de besoin objectif, l'homme. Tu sais, on n'est pas obligé de manger de la viande, on peut manger de la salade journée longue, c'est pas grave. On y viendra, c'est un On est autre rendu une chapitre, science oui. politique. Comment J'ai tu dit, on y dis? viendra à la viande et à Ouais, la c'est salade, ça. c'est un autre Ouais. chapitre, ça, Mais c'est la effectivement. même base, au fond. C'est ce que Ouais. j'appelle, ben, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est le constructivisme radical. C'est l'idéologie qui sous-tend les trois derniers chapitres. Donc, comme la théorie critique de la race, l'idéologie de genre et le véganisme, ces trois idéologies-là proviennent du constructivisme radical, selon lequel il n'y a plus rien d'objectif. C'est l'envers de la science. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'objectif, tout est arbitraire, tout est une question de ressenti. Si Pascal, toi, tu sens que 2 et 2, ça fait 5, ben c'est correct, tu as raison. Ça fait 5 parce que toi, dans ton ressenti, ça fait 5. Mais bordel, on s'en va où avec ça, là? C'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début, évidemment, souvent, et comme ici par rapport à la théorie justement de la race, c'est vrai qu'au départ, on se dit que ça part d'une bonne intention pour éviter justement des discriminations, y mettre fin. Et le problème, évidemment, c'est les dérives qui se mettent en place, j'ai envie de dire, à l'insu de notre plein gré, ou en tout cas les personnes qui continuent effectivement à se dire que le mouvement woke a toute son utilité, toute sa justification, sa probité, alors qu'à un moment donné, effectivement, il y a une déviance et quelque part. C'est comme si finalement ça devenait une représailles à l'égard justement des blancs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on crée, comme tu le disais, une autre discrimination, comme si on allait gommer la discrimination ancienne en créant une nouvelle. Parlant de dérive, je vais finir mon histoire avec la bourse à l'ETS. C'est que finalement, sur les 12 bourses qui ont été octroyées, aucune n'a été à un homme blanc francophone. Imaginez-vous, on est au Québec, dans une école de génie. La seule faculté universitaire où il y a encore plus d'hommes que de femmes, parce que maintenant, ici au Québec, 66 % ou 75 % des finissants en médecine ou en droit sont des femmes. Donc, une des rares facultés où reste encore des hommes, malgré ça, aucune bourse n'a été décernée à un homme blanc francophone au Québec. C'est un peu inquiétant, tu sais. Oui, c'est révélateur évidemment de l'idéologie qui part sous-tend cette réalité. Je vais relire, si tu veux bien, Romain, pour donner de nouveau une idée de la manière dont tu écris par rapport ici à la culture du bannissement, donc la cancel culture. Les woke pratiquent la culture du bannissement, cancel culture en anglais, qui consiste donc à purifier la littérature et l'histoire de tout passage offensant. Pourtant, mettre des livres à l'index, brûler des bandes dessinées aussi inoffensives que Tintin, Astérix et Lucky Luke, comme l'ont fait une trentaine d'écoles en Ontario en 2021,
ou encore déboulonner la statue de John A. MacDonald en plein centre-ville de Montréal n'effacera pas le passé. Et c'est ça aussi évidemment l'intérêt, c'est de se souvenir effectivement du passé, quel que soit ce passé, c'est de se dire que en effaçant les traces du passé, on va finalement faire en sorte qu'il se Produire. répète encore plus facilement puisqu'on n'a plus le recul et la mémoire finalement. Exactement. Très bien, écoute, on va passer à l'idéologie suivante qui n'est pas non plus des moindres, c'est le chapitre 5, l'idéologie de genre. Et là aussi, quand même, tu reprends, à mon sens, je l'avais également pointé à l'époque, parce que elle a fait, j'ai envie de dire, controverse. C'est celle qui a conçu Harry Potter, Rowling, qui dit notamment ceci, les personnes qui ont leurs règles, trois petits points. Je suis sûr qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant, que quelqu'un m'aide, femme, femme, fime. C'est toute la question de savoir finalement comment appelle-t-on un chat, qui est qui, et est-ce que la biologie a encore un sens, ou bien est-ce qu'effectivement, on en revient à la question du ressenti là du coup. Tantôt, je parlais de constructionnisme, tu sais, là. Ben, c'est ça, c'est comme il n'y a plus rien d'objectif. Selon cette idéologie-là, on nie les différences fondamentales cognitives entre un homme et une femme. T'sais. La réalité biologique est bien différente. On est encore dans le déni de la biologie. C'est un filon conducteur à tous mes chapitres, au fond. Et ici, le déni de la biologie s'exprime comme suit, c'est qu'on nie les différences fondamentales entre un homme et une femme, qui dépassent les organes sexuels. Là, tu sais, c'est même la façon d'appliquer la médication en médecine n'est pas la même selon que vous êtes un homme ou une femme. Tu sais, c'est fondamentalement différent. Les cerveaux ne sont pas faits pareil. Il y a des maladies qu'on retrouve plus chez l'homme que la femme, comme l'épilepsie, par exemple. Parce que dans le cerveau d'une femme, il y a beaucoup plus de connexions entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, le cerveau rationnel, puis le cerveau de la parole, puis des émotions. Donc, une femme peut, même si elle est furieuse, continuer à avoir un débit vocal très élevé. T'sais. On l'a tous vécu, hein, Pascal. Maintenant, un homme, moi, j'ai toujours dit, t'sais, quand y a un conflit dans un bar entre deux jeunes hommes, tant qu'ils parlent, c'est pas dangereux encore. Mais ça devient dangereux au moment où ils arrêtent de parler. Parce que ce qui se passe dans le cerveau de l'homme à ce moment-là, tant qu'il n'y a plus de connexion entre les deux hémisphères, à un moment donné, là, Ça part en vrille. la violence est proche, rendue là. Ça va se taper sur la gueule, là, tu sais. Donc, c'est des exemples cocasses, mais réels quand même, là. C'est fondamentalement différent, là. Donc, l'idéologie de genre naît des prémisses suivantes qui sont fausses, d'une confusion, en fait, entre le genre et le sexe. OK? Le sexe, autrefois, pendant longtemps, puis encore dans certains pays comme en Iran, c'est synonyme, sexe et genre. T'sais. Mais plus, pas en Occident. Donc, le sexe, c'est une réalité biologique objective. Le sexe est constaté et non pas assigné à la naissance. Hein? On est un homme, on est une femme. Bien sûr, on va me sortir l'argument. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des intersexes? Ben oui, les intersexes, là, c'est un dixième de 1% de la population. Là. Puis, moi, je n'aurais pas objection que dorénavant, les intersexes, parce qu'on va faire une opération à l'heure actuelle pour leur faire prendre une direction ou l'autre, on pourrait très bien décider de les laisser évoluer comme ça, puis ils décideront plus tard. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais on n'établira pas des règles basées sur 0,1% de la population. Là, tu sais, majoritairement chez l'homme, parce que chez d'autres espèces vivantes, il y a plus que deux sexes. Il y en a qui même jusqu'à six. Mais chez l'homme, il y a deux sexes, chez l'humain. Alors, maintenant, le genre. Qu'est-ce que le genre? Le genre, c'est une construction sociale. Aujourd'hui, le bleu est associé aux hommes. Mais autrefois, Moyen Âge et avant, le bleu est associé aux femmes. Aujourd'hui, les talons hauts sont associés aux femmes. Mais Louis XIV se promenait en talons hauts. Est-ce que Louis XIV était gay? Non, il ne l'était pas. Bien au contraire, il aimait beaucoup les femmes. Alors, ça, c'est des constructions sociales. Il n'y a pas de réalité objective à dire parce que tu portes un talon haut, tu es une femme, tu es un homme. Bon, le grand avantage de l'Occident, c'est un autre déni woke, ça, par rapport aux civilisations rétrogrades, comme dans les pays arabes, par exemple, ou perses, c'est que vous pouvez choisir le genre que vous voulez ou presque. Hein. Aujourd'hui, là, on s'en fout pas mal. T'sais. Si un homme veut arriver en jupe au bureau, là, il peut bien le faire, tu sais.
Alors, je peux comprendre en Iran une dame qui regarde c'est quoi son avenir, voilée, reste à la maison pour torcher les petits, puis elle ne peut pas aller à l'école. Je peux comprendre elle, de se dire, ben, moi, je veux subir mon opération, je veux être un homme dans la vie, je ne veux pas de ce futur-là. Je la comprends. Et d'ailleurs, on sait qu'en Iran, l'homosexualité est illégale et on encourage, l'État encourage les transitions sexuelles. Ce qui m'amène à dire qu'au fond, l'idéologie de genre est homophobe. L'idéologie de genre est une menace pour les droits des femmes, est une menace pour le droit des homosexuels aussi. Il y a plein de gens qui vont subir une transition sexuelle alors qu'ils sont simplement homosexuels. Mais alors, il serait important de reconnaître les vraies choses. Si la personne est homosexuelle, il me semble qu'on a évolué, là. Ça, on a décriminalisé l'homosexualité. Revenons-en, être homosexuel, c'est tout. La personne, si la femme préfère les femmes, elle n'est pas obligée de se transformer en homme pour avoir une relation. Dans certains pays, oui, mais pas en Occident. Donc, il faut s'assurer. Moi, je ne suis pas contre. La dysphorie de genre existe, OK? Je ne suis pas. Nier la dysphorie de genre, c'est un discours d'extrême droite, OK? Mais la dysphorie de genre, elle est extrêmement rare aussi. C'est même pas 1,5% de la population. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes filles, malheureusement, qui demandent, de jeunes adolescentes qui demandent une transition sexuelle, mais pour une mauvaise raison. C'est que 35% d'entre elles, et c'est prouvé, c'est pas moi qui invente le chiffre, là, il y a des études là-dessus, qui sont autistes. Alors, est-ce qu'on peut pas attaquer le problème à la base, attaquer leur problème psychologique? Une grande partie d'entre elles sont carrément simplement lesbiennes, puis une autre partie d'entre elles sont juste autistes. Il y a un problème psychiatrique ici, ou TDAH. Alors, réglons le problème à la source au lieu d'apposer une solution qui n'est pas la bonne. Puis, évidemment, ce qui tombe sous le sens, c'est d'attendre à l'âge majeur pour permettre les transitions sexuelles. Pascal, on ne permet même pas à un jeune de boire de l'alcool avant 18 ans sous prétexte qu'il n'a pas la maturité pour le faire, mais il a la maturité d'entreprendre des transitions qui ont un impact désastreux sur la santé, parce qu'on va Oui. dire les vraies choses, là. Une transition sexuelle, ce n'est pas comme une visite au centre d'achat. Non, non, c'est sûr. C'est plein de conséquences sur la santé des os, la santé mentale, etc. Des gens qui hypothèquent leur vie, mais. Écoute, encore une fois, si c'est ça, puis ils sont malheureux au point qu'ils vont se suicider, ils sont tout de même d'hypothéquer leur vie avec la santé. Mais c'est inacceptable, c'est d'appliquer la mauvaise solution. Et là, malheureusement, peut-être ça ne sort pas encore assez dans mon livre, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est le lobby financier. La business de la transition sexuelle, ça implique des milliards de dollars, là. Et il y a des entreprises qui sont en arrière de ça, puis qui font des lobbies auprès des gouvernements pour que le gouvernement paye ces transitions-là et des lobbies pour empêcher les thérapies. Et même en Ontario, ici au Canada, le Bill 77, qui criminalise tout psychologue qui essaierait de faire faire une thérapie à une femme avant qu'elle s'obtienne sa transition. Autrement dit, là, une jeune fille qui s'auto-diagnostique avec la dysphorie de genre, qui demande à l'État d'avoir une transition. Le gros bon sens, ça serait d'abord de dire, ben, un peu de la même manière, si on en vient à l'euthanasie un jour, on veut pas que quelqu'un se présente un jour et dise, bon, ben, je vais être euthanasié aujourd'hui. Mais non, OK, ben, tu vas être euthanasié. Bon, tu vas rencontrer des psychologues, on va se donner 2 mois, tu sais, pour réfléchir à est-ce que c'est la bonne décision. On veut pas que les gens fassent un coup de tête. Mais c'est la même chose avec la transition sexuelle. On veut pas que les jeunes filles entament ce processus un coup de tête. Il faudrait les encadrer avec un processus de psychothérapeutique, tu sais. Ben, c'est plus possible en Ontario. Parce que les psychologues qui entreprennent un processus thérapeutique pour remettre en question, juste remettre en question, poser des questions, c'est rendu criminalisé. Ça vous montre la force du lobby woke et de l'identité de genre. C'est grave. Puis tous ceux qui militent au front réalisent pas au front qu'ils sont les marionnettes de ce lobby financier-là en arrière. Les autres, ils subventionnent. C'est comme dans le véganisme, on va y voir tantôt. Les militants végans sont subventionnés par les Monsanto de ce monde, tu sais. Mais faut se mettre la tête dans le sable pour pas voir ça. Tu sais, Bien sûr, mais d'où je le crois que besoin les gens au pour. front sont sincères, ils croient Oui, mais bien ils sûr. réalisent pas qu'ils sont Oui, naïfs. oui. Oui, mais la sincérité ne suffit pas toujours, évidemment. Il faut aller creuser, voir l'envers du décor, d'où l'intérêt justement d'être
aussi correctement informés. Alors, on va pas voir évidemment tout ce que recouvre effectivement l'idéologie du genre, mais tu en parles notamment sous d'autres sous-chapitres, notamment ce que tu nommes le cheval de Troie du féminisme, ou la misandrie pour le coup systémique, contrairement au racisme dont on a vu tout à l'heure, qui n'était pas systémique, n'étant pas effectivement consacré, je dirais, dans les textes juridiques par l'État lui-même. Et alors, tu parles également du transgenrisme pour ceux, effectivement, qui sont intéressés à toutes ces questions. Mais nous avons dit que nous ne serions pas trop longs, puisqu'il y a quand même effectivement 6 chapitres. Donc, je te propose du coup d'en venir au chapitre 6. Peut-être un petit peu, je dirais, la cerise sur le gâteau, peut-être. Le chapitre 6, puisqu'il est question effectivement d'obésité, de végétalisme et de troubles alimentaires. Je vais de nouveau, si tu veux bien, Romain, lire un passage et je te demanderai effectivement de réagir par rapport à ce que tu as souhaité effectivement évoquer dans ce chapitre. Donc tu dis ceci, ce chapitre traite de nutrition. Quel est le rapport avec l'abrutissement de l'espèce humaine? On en vient effectivement à cette fameuse ligne dans tout ce livre. D'une part, les troubles alimentaires sont les symptômes de troubles mentaux, notamment les motivations profondes qui se cachent derrière le véganisme sont communes avec celles d'adhérer à une religion. D'autre part, certains troubles alimentaires, dont le végétalisme, engendrent des carences alimentaires qui, à long terme, altèrent les capacités cognitives de l'humain. Alors, c'est que c'est moins évident par rapport à ce chapitre 6, peut-être, de voir ce continuum qu'on a essayé effectivement de démontrer au travers de tous ces chapitres 6. Et donc, ici, comment effectivement vois-tu ce continuum entre ce chapitre-là et les 5 que nous avons vus avant? Bon, d'abord, ce que le militantisme végan défend rejoint mes idées en partie. Moi, je suis contre la cruauté animale, je suis contre l'agriculture industrielle, etc., pour l'environnement. Mais malheureusement, c'est pas la réalité. Parce que d'entrée de jeu, il faut dire les vraies choses, les études pleuvent sur le sujet, je les cite. Dans mes 3 livres, c'est un point commun. Je cite dans les 3 livres que j'ai écrits, en particulier le premier qui traitait justement de nutrition, les effets délétères du véganisme sur la santé. Puis, je ne veux pas faire un cours de nutrition aujourd'hui, mais je vais en donner un exemple seulement. Okay? L'oméga-3, l'acide gras oméga-3 de type AEP, acide écossapentaïonique. Qui est un oméga-3 à 22 atomes de carbone, qui est absolument nécessaire pour la bonne santé cognitive. Parce que on l'appelle aussi cet acide-là, l'acide cerbonique, en relation évidemment avec le cerveau, parce que c'est ce qu'on retrouve dans le cerveau. Il y a une règle générale dans l'alimentation, dans la pyramide alimentaire, c'est plus on est intelligent, moins on digère bien. Alors, une vache, ça a 4 estomacs, c'est pas trop intelligent, ça n'a pas besoin de l'aide parce que ça chasse pas. Alors, ça broute de l'herbe, puis c'est bien correct. Le prédateur qui, lui, mange la vache, lui, il doit faire des stratégies de chasse. Alors, pour lui, ça prend de l'intelligence, OK? Parce que lui, il ne digère pas bien, justement. Lui, il a besoin d'acides aminés essentiels, il a besoin de substances essentielles comme l'oméga-3 que je parlais tantôt. Alors, dernier exemple, une poule qui n'est pas trop brillante non plus. On lui sert la graine de lin, qui est de l'oméga-3 aussi, mais à 18 atomes de carbone. Parce que souvent, les végans disent, ah, moi, je manque pas d'oméga-3 parce que je mange de l'huile de lin. Ben oui, c'est très bon pour le cœur de l'huile de lin, mais c'est nul pour le cerveau. Par contre, le végétarien qui, lui, achète à l'épicerie des œufs oméga-3, il fait une bonne chose parce que la poule mange l'ALA, l'acide linoléique alpha à 18 atomes de carbone, et synthétise l'AEP et l'ADH. OK? Tantôt, j'ai parlé de l'AEP, c'est de l'ADH que je voulais parler, docohexaénique. Excusez. Mais les deux sont nécessaires pour le cerveau, surtout l'ADH. Et la poule le fait. Donc, vous achetez un œuf, selon qu'il soit oméga-3 ou super oméga-3, il y a entre 75 mg ou 125 mg d'acide oméga-3, comme on en a besoin de notre cerveau. Ben, c'est bien de valeur, mais celui qui est végan, il n'existe pas de source végétale de ces acides-là, sauf dans les microalgues. Mais combien de végétaliens consomment des microalgues dans la bonne quantité? C'est infime.
Donc, ça prend pratiquement un PhD en nutrition pour être capable d'être végétalien et de pas nuire à sa santé. Mais ça, c'est drôle, hein? Ça, on lit ça nulle part. Moi, j'ai écrit nombre d'articles que j'ai envoyés aux journaux et je suis systématiquement boycotté. Non, on ne veut pas le dire. Les journaux ne veulent pas nous dire la vérité, que le véganisme ne fonctionne pas. Alors, c'est bien beau, mais si la solution ne fonctionne pas, abandonnons-la. Il existe des solutions. L'entomophagie en est une, par exemple. On est capable, grâce à l'entomophagie, donc la culture de certains insectes, de générer des protéines de très grande qualité, même de qualité supérieure à celle de la viande, sans impact écologique. Bon, là, c'est sûr que sur le plan culturel, il peut y avoir des petites appréhensions, mais tranquillement, on peut traiter ça, puis moi, je suis impliqué, j'aide une entreprise d'ailleurs à faire du foie gras à partir d'embryons meuniers, par exemple. Puis ça, c'est à s'y méprendre. À l'aveuglette, les gens confondent le vrai foie gras et celui-là. Bon, ça, c'est des pistes de solutions pour l'avenir. Mais il faut commencer par se dire la vraie chose. Le véganisme, ça ne fonctionne pas. Puis malheureusement, il y a des gens qui mettent leur santé en danger. Puis encore une fois, un adulte qui met sa santé en danger, ben ça le regarde. Hein? Moi, je suis pour le suicide. Hein? Mais ce qui est triste là-dedans, c'est les jeunes, les enfants, qui eux, ont rien choisi. C'est comme les enfants qu'on leur impose un culte religieux, on leur impose une religion, on leur impose un véganisme, on nuit à leur développement cognitif. Eux avaient un potentiel, mettons, génétique X à la naissance, mais ils vont accomplir qu'une portion de ce potentiel génétique-là parce qu'ils vont manquer d'oméga-3 pendant leur enfance. Ça, c'est de la maltraitance infantile. Tu sais, on met des parents en prison pour moins que ça. Tu sais? Alors, à un moment donné, il va falloir que les gouvernements aient la colonne vertébrale nécessaire pour dire les vraies affaires. Les études sont là, là. On n'invente rien, là. C'est pas une question idéologique, là. Du coup, il y a aussi quelques pages sur les antispécistes, hein, dans ton livre. Ouais, ben, les antispécistes, je pense que le raisonnement, encore une fois, c'est de dire, ben, si on devient végétalien, on n'aura plus besoin d'abattre des animaux d'élevage. Ouais, j'entends bien, mais c'est parce qu'il n'y aura plus d'animaux d'élevage tout court. On les élève parce qu'on les consomme. Puis si on les consomme plus, on les élève plus. Alors, le vrai problème à la base, c'est pas le fait des abattre. On va tous mourir. Vous allez mourir vous aussi, moi aussi. Le problème, c'est comment on les élève. C'est la façon qu'on les élève qui est problématique aujourd'hui. La façon que nos agriculteurs élevaient leurs animaux il y a un siècle, c'est totalement différent. Puis encore, dans certaines parties du monde, ils sont encore élevés comme ça. Ils sont bien élevés, ils sont heureux jusqu'au moment où ils se font abattre. Mais si on les abat pas de façon cruelle, c'est-à-dire halal, ben, ils ressentent rien. Ils sont même pas conscients qu'ils sont abattus. En fait, c'est même moins cruel que la plupart des humains qui meurent à l'hôpital. Parce que nous autres, les humains, quand on meurt à l'hôpital, on le sait, hein, la plupart du temps, là, on agonise longtemps. Hein. On n'est même pas aussi cruel avec les animaux que ça, sauf quand c'est halal, évidemment. Où là, on les égorge de façon consciente, là. Ça, on devrait abolir le rite d'abattage halal. Mais mon point, c'est le suivant, c'est que, attaquons donc le vrai problème, c'est un problème de maltraitance animale. Élevons donc les animaux de façon décente et humaine. Puis il y a de plus en plus d'organisations aujourd'hui, de certifications qui permettent, quand vous allez à l'épicerie, de choisir, mettons, un free range pour les poulets. Là, tu sais, des poules qui ne sont pas entassées les unes par-dessus les autres, mais qui ont accès à l'extérieur, etc. Bon, je ne veux pas enfin, les recenser, la liste ici, là, mais le concept est là. Attaquons le vrai problème, là. Le vrai problème, c'est pas qu'il y a des bêtes qui vivent, qu'on mange après. Le vrai problème, parce que dans la nature, tout le monde mange tout le monde. Hein. Je veux dire, la plante, le foin se nourrit de minéraux dans le sol. Et ensuite, le Oui, végétarien c'est la chaîne bouffe. alimentaire. Ben oui, c'est la chaîne alimentaire. T'sais. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec la chaîne alimentaire, adressez vos plaintes à la nature ou au créateur si vous êtes croyant. Mais tu sais, c'est qui est l'homme pour remettre en question le design de la nature, tu sais? C'est très prétentieux comme Vaste, moment. vaste question. Mais du coup, acheminons, si tu veux bien, Romain, vers la conclusion. On a dressé l'inventaire
des six idéologies quelque part que tu as effectivement pointé du doigt dans ton livre, mais du coup, quelle conclusion en tirer par rapport à tout ça? Ben, la conclusion, c'est que c'est bon, c'est six sujets différents, mais ils ont un grand point en commun, c'est que dans les six cas, c'est de l'ineptie. La question que je me pose, c'est un petit peu, quand je commence mon livre, rappelle-toi, je dis au début que selon moi, ma lecture de l'histoire, c'est que l'humanité a atteint son sommet vers la fin du 20e siècle. Puis on l'observe avec des critères objectifs de statistiques sur le taux de pauvreté, de violence, de racisme, de sexisme. Mais là que depuis le début du 21e siècle, tout dérape. Depuis, en fait, les attentats du 11 septembre, tout est une pente descendante. Et on observe des inepties comme celles des six qu'on vient de discuter. Et comme j'ai dit, il y en a trois qui appartiennent à la gauche, trois qui appartiennent à la droite. Le centre politique s'est vidé au profit de la gauche puis de la droite. Les réseaux sociaux encouragent cette polarisation-là. L'explication est simple ici, c'est que les réseaux sociaux fonctionnent au nombre de clics. Tout être humain préfère être conforté que confronté. Donc, de façon naturelle, tout être humain va cliquer sur un sujet qui le conforte versus le confronte. Alors, les annonceurs sur les réseaux sociaux l'ont compris. Donc, ils vont s'assurer de toujours vous présenter de la matière qui vous conforte. Et ce que le danger de ça, c'est que à un moment donné, ça vous confirme dans vos biais idéologiques. Parce qu'on a tous nos biais, là. Veux, veux pas. Au départ, on a tous un biais à gauche, à droite. Bon. Mais le fait d'être exposé à des gens qui pensent différemment de nous, tu sais, autrefois, sur le parvis de l'église le dimanche matin, en confrontant nos idées avec les autres, ben, ça nous faisait peut-être réévaluer nos positions, peut-être plus extrémistes. Mais là, aujourd'hui, les réseaux sociaux font l'inverse. Si vous êtes un extrémiste dans une direction, on vous alimente pour vous extrémiser davantage. Ça, c'est dangereux. Puis encore une fois, qu'est-ce qui est en arrière de ça? C'est des lobbies financiers. Alors là, le défi pour nos politiciens, selon moi, c'est de garder, je compare la société à un bolide sur l'autoroute, là, qui va de plus en plus vite, ça, c'est l'évolution technologique. Puis le défi, c'est de garder le bolide au centre de la chaussée, parce qu'un coup de volant droite, un coup de volant gauche, on se retrouve dans l'extrémisme de gauche, l'extrémisme de droite. Et puis, c'est foutu, là. C'est foutu, parce que si on vire à droite, ben, ça va mal finir. Ça va mal finir avec une guerre nucléaire ou avec un désastre environnemental, un ou l'autre. Puis si on vire à gauche, là, c'est plus subtil, les dommages. Mais c'est l'abrutissement de l'espèce humaine. Là. On ne reconnaît même plus la science. Tu sais, je l'ai dit tantôt, avec le constructivisme, deux et deux font parfois trois, parfois cinq. On ne donne plus de récompense. On vient de renverser le processus de sélection naturelle, là, qui est la base de l'évolution. Parce que dorénavant, on donne des promotions sur la base des ressentis, non plus sur le mérite. Donc, c'est l'envers de la sélection naturelle, là, tu sais. À quelque part, notre société allait évoluer parce que les idées les plus méritantes étaient récompensées. Mais c'est à partir du moment qu'on récompense plus les idées les plus méritantes, il n'y a plus d'évolution. On arrête l'évolution. Si tout devient une question de ressenti, ben, il n'y a plus d'objectivité scientifique. On s'en va nulle part avec ça. Fait que c'est plus insidieux, puisque la droite, c'est un peu bébête, là. C'est pas. Tandis qu'avec la gauche, surtout avec leurs protagonistes, avec des grands titres, tu sais, des grands PhD, tout ça, ça donne l'impression que c'est plus sérieux, mais ça n'est pas plus sérieux, c'est du délire quand même. Ma conclusion, c'est ça. Puis j'arrive avec des solutions concrètes, d'ailleurs, dans mon livre pour chacun des chapitres, là. J'arrive avec des solutions très, très, très concrètes. Je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas de critiquer, là. Il faut arriver avec des solutions. C'est parce que critiquer, c'est facile. Ben, au moins, on ne pourra pas me reprocher ça. J'arrive avec des solutions. Je ne veux pas dire que mes solutions sont magiques, mais je veux dire, regarde, au moins, j'amène l'eau au moulin. Que d'autres continuent après, qui prennent la pôle, puis Mais qui voilà. développent ces solutions-là. Au moins, j'amène des idées, t'sais. Tu auras mis effectivement le pied à l'étrier, comme on dit, et je te remercie évidemment, Romain, d'avoir pris de ton temps pour nous exposer, je dirais, la trame de ton livre. Et une autre trame, peut-être, c'est effectivement, gardons aussi notre esprit critique pour justement ne pas évidemment être le jouet des idéologies que tu relates de manière extrêmement précise et également. Avec pas mal aussi de références qui permettent à ceux qui le souhaitent évidemment d'aller voir les sources que tu cites pour avoir encore davantage d'informations.
Donc, j'invite évidemment les personnes qui le souhaitent à lire ton livre. Si les médias te censurent, j'espère que les lecteurs, eux, par contre, auront la bonne idée de te lire avec un esprit critique, même par rapport à ton livre, mais au moins qu'il puisse effectivement y avoir un débat et éventuellement une remise en question par rapport aux idéologies dominantes qui, trop souvent, dont se fait effectivement l'école, les masses médias. Je te remercie en tout cas, Romain. Un dernier petit commentaire, Pascal, avant de terminer, il y a 350 références scientifiques dans le livre quand même. Oui, c'est du boulot. Ben, garde, j'appuie ce que j'avance, au moins là. Je te remercie. Merci Au beaucoup. revoir. Bye.